Power, transport and logistics, natural resources, telecommunications, and heavy industries are the enablers that will deliver access to markets, job creation, and accelerated economic growth. So we pioneer solutions that help build bridges and roads and connectivity. We help develop natural resources in sustainable ways that create prosperity for more. But our roads and bridges connect more than just places, and our financing powers more than cities and grids. It connects people to opportunities, producers to markets, and local communities to the skills they need to grow. This foundation shapes our present so we can build our new tomorrow. And what does the future hold? Africa's mandate is urgent, and the narrative has to change. So we're rewriting the script. Imagine an Africa where the world's youngest population turns into the future of the workforce. Where the knowledge-based economies in Africa that power the world give birth to the fifth industrial revolution, connecting innovation to purpose and inclusivity. That's the Africa we're building. We can't do it alone. But together, perhaps we can. Our vision is to become Africa's leading infrastructure solutions provider, Africa Finance Corporation, driving social, economic, sustainable change across Africa. Chers amis d'Afrique, de Tunisie, bienvenue pour cette conférence sur l'impact de la pandémie Covid-19 sur l'accélération de la transformation digitale en Afrique. La pandémie Covid-19 a été un véritable défi humain, sanitaire, logistique, mais aussi technologique. Donc les bouleversements induits sont considérables. Et les questionnements des sociétés comme des États sur l'approche à adopter
restent nombreuses, parfois insolubles. En matière d'émergence du télétravail et les besoins de changer de paradigme en matière d'organisation du travail, la hausse des besoins en bande passante des réseaux et des télécommunications, à l'accélération des risques de cybersécurité, et j'en passe. Au final, la pandémie Covid-19 a fait planer un nombre considérable de risques sur toutes les économies du monde, mais elle s'est révélée être un formidable moteur pour accélérer la transformation digitale de la puissance publique, du secteur privé, mais aussi des pratiques sociales et des cultures organisationnelles. Donc je me présente, je m'appelle Ashraf Ayed, je suis docteur en sciences de gestion, consultant pour le secteur bancaire et financier résident à Paris. J'ai dirigé et contribué à plusieurs projets de transformation digitale en tant que consultant, mais aussi en tant que membre de direction d'une banque et aussi en tant qu'administrateur d'une banque en Tunisie. Je serai votre modérateur pour cette session et je voulais souhaiter la bienvenue à nos invités. Le représentant de Monsieur le ministre des technologies de l'information et des communications de Tunisie, le conseiller en charge de la stratégie, Sir Hassan Harabi, bienvenue. Je voudrais aussi accueillir Monsieur Cheikh Bachoum, directeur général de l'Agence de l'informatique de l'État du Sénégal, que je remercie. Je voudrais accueillir également à distance notre ami, notre habitué de FITA, Monsieur Mouhamadou Diallo, CEO de CEO Mag, qui est avec nous en ligne aujourd'hui. Également présent ici, Walal Ghesmi, CEO de Tissopédia, mais également de WeCode for Good. Et un très cher ami à moi, un très grand expert, très connu en Tunisie, Simon Stramzrani, CEO de 2CW. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Gabriel Curtis n'a pas pu assister avec nous à cette session parce qu'il est parti rencontrer le président de la République au palais de Carthage en ce moment même. J'ai cru comprendre qu'il se fera représenter. En tout cas, nous accueillerons son représentant dès qu'il se manifestera avec très très grand plaisir. Donc, je voulais d'abord commencer avec vous, Sersan, avec ce questionnement. Les pouvoirs publics de divers pays ont fait face à de véritables défis. En très très peu de temps, il fallait poser des questions que personne ne posait. Comment nous, en Tunisie, avons-nous vécu cette pandémie? Et en termes de transformation digitale, quels sont les impacts que vous avez pu recenser? Quelles sont les actions que vous avez pu mener et partager avec nous? En 5-6 minutes, s'il vous plaît. Merci. Merci, c'est Ashraf. Bonjour à tous. Bonjour aussi également à mes copanélistes. Je pense que la Tunisie, comme partout dans le monde, a vécu cette crise Covid qui était inattendue, imprévue. C'était une surprise pour quasiment pour tous les pays du monde et pour tous les services, que ce soit gouvernementaux ou même les secteurs économiques des différents pays. Et on s'est retrouvé dans une situation où on était face au problème et comment il en devait réagir. Donc c'était, je pense, une des premières fois sur les dernières décennies où un gouvernement fait face à une telle crise et avec une telle nécessité de réactivité, d'agilité, etc. Mmh. Donc pour aller directement à la question, Siachev, comment le gouvernement ou comment l'État de façon générale a réagi face à cette crise et quelles sont les réalisations qui ont été menées et quels sont les apprentissages. Le premier élément que je tiens à souligner et accentuer ici, c'est que cette crise, et je pense, a démontré l'importance du digital dans les économies aujourd'hui. On le voit dans tous les secteurs économiques et dans toutes les économies du monde,
quasiment tous les pays ont vu réaliser pendant les trois mois de lockdown international qui a été décrété, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire sur plusieurs années, que ce soit les pays développés ou même les pays moyennement développés ou sous-développés. Donc c'était une opportunité pour repositionner le numérique et le digital au centre de la réflexion économique et en tant qu'un secteur vital pour l'économie du pays. Nous, ce qu'on a observé, c'est ce qui était assez intéressant, c'est la forte résilience de l'économie digitale en Tunisie, que ce soit, comme vous avez pu l'aborder, que ce soit en termes de connectivité, en termes d'innovation, en termes de productivité, en termes d'agilité. Il faut savoir que le réseau de connectivité, le réseau de connexion tunisien a pu supporter la surcharge qui a eu lieu pendant les trois mois de... surtout la première vague, donc grâce à la mobilisation des opérateurs, des FSI, où ils ont pu supporter 40% d'augmentation quand même, 40% d'augmentation sur le flux, c'est assez important, donc ils ont réussi à l'absorber. Donc ça démontre qu'on a quand même une infrastructure et des acteurs assez résilients. Après, ça ne veut pas dire, et on pourra l'aborder après, que le travail est fait et qu'il n'y a pas des choses à améliorer. Au contraire, ça a démontré également qu'il y a encore pas mal de lacunes qui devient urgent d'adresser. Typiquement, quand on parle de digital divide et de fracture numérique aujourd'hui, ça a été mis en avant pendant cette crise-là parce que on était face, surtout lors du déploiement des aides sociales et pour le déploiement de l'enseignement en ligne, on a vu qu'il y avait une bonne part de la population qui n'avait pas accès à cette connectivité. Et du coup, là-dessus, nous, on avait la chance d'avoir deux acteurs assez intéressants, principalement La Poste, grâce à son réseau de distribution et à sa présence territoriale assez étendue, qui a permis en fait d'adresser cette population-là et quand même de déployer les services. Le deuxième volet, c'est au niveau de la réponse qui a été faite par rapport aux difficultés et aux problèmes que nous avons rencontrés pendant cette crise-là. On tient vraiment à saluer, et ce qu'on a observé, c'est assez rassurant et c'est assez intéressant, c'est la mobilisation de l'ensemble des acteurs du digital en Tunisie autour de cette cause commune, autour de ce problème commun. Chacun à son niveau, chacun au niveau de la solution, au niveau du problème qu'il souhaitait adresser. Mais il y a une mobilisation assez intéressante et une collaboration, on ne va pas dire inédite, mais intéressante, entre le privé et le public. Et le privé, quand je parle du privé, avec tous ses composantes, que ce soit les représentants du privé, l'UTICA, Connect, etc., les PME, les grands groupes et surtout les start-up. Donc nous, je pense que vous l'avez pas mal observé, on a mis en place un comité mixte pendant la crise, pendant la première vague. Et ce comité mixte était composé d'experts, de représentants du privé et de représentants du public. On a reçu, à travers ce comité-là, 261 initiatives de start-up, principalement, innovantes. Et on a réussi à en déployer 10. Et l'apprentissage qu'on a tiré de ce mécanisme-là, c'est que, un, en travaillant ensemble, et en ayant un mécanisme de partenariat ouvert et autour d'un problème commun qu'on souhaite tous résoudre. Deux, quand on enlève tous les verrous aujourd'hui qui existent au niveau de la transformation digitale, que ce soit les achats, le cadre réglementaire, etc. Là, on était tous mobilisés, il y avait pas mal d'adrénaline, on voulait tous aider, on voulait tous résoudre les problèmes. Donc on a bypassé tous ces obstacles-là, on a trouvé des solutions. Mmh. On a réussi à faire en un temps record ce qu'on ne pouvait pas faire en plusieurs années. Mmh. Et l'agilité dans le fonctionnement. On parle souvent d'agilité aujourd'hui dans les grands groupes. L'agilité devient aujourd'hui un must-have au niveau des gouvernements et au niveau de l'administration. Et c'est quoi l'agilité? C'est de partir d'un problème et d'essayer de rentrer dans des démarches itératives pour adresser ce problème-là et faire évoluer le produit. Donc là-dessus, l'apprentissage principal, c'est que voilà, les start-up, l'innovation est là en Tunisie, elle a permis
de surmonter cette crise à travers les différentes solutions. On a vu des solutions au niveau du robotique avec le robot Innova. On a trouvé des solutions sur la gestion de la crise Covid, que ce soit avec le ministère de la Santé ou le ministère de l'Intérieur ou le ministère des Affaires sociales. Et le déploiement de pas mal de choses telles que le e-wallet, des aides sociales qui ont été distribuées à travers le e-wallet et qu'on n'arrivait pas à le faire, et grâce à la Covid, on a réussi à faire passer pas mal ces circulaires-là. Donc voilà rapidement, résilience, agilité et partenariat privé-public, c'est les facteurs clés qui nous ont menés à traverser cette crise. Merci beaucoup Sersan. Moi ce que j'en retiens, c'est face à 40% de débit en plus, enfin de besoins en débit en plus, l'État s'est adressé au maillage de la Poste pour toucher une large population qui n'était pas nécessairement suffisamment connectée également, et s'est adressé au privé, aux partenaires en dehors de l'État pour pouvoir créer de l'émulation, de la synergie et trouver des solutions là où l'État n'avait pas des choses prêtes et plug and play. C'est maintenant où je m'adresse à M. Cherbachoum, directeur général de l'Agence de l'informatique de l'État au Sénégal. Quelles sont les actions que vous avez menées et quels enseignements pouvons-nous aussi tirer de l'expérience du Sénégal durant cette pandémie Covid-19? Qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous aujourd'hui? Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Mesdames, Messieurs, en vos rangs et titres, bonjour, chers panélistes. Merci encore pour l'invitation. Je voudrais très rapidement partager avec vous l'expérience du Sénégal à la suite de Monsieur le conseiller, du ministre en charge des TIC. Je pense qu'à l'image de la Tunisie, le Sénégal également a beaucoup utilisé le numérique pour vraiment faire face à la pandémie de la Covid-19 qui a vraiment secoué l'ensemble des économies au niveau mondial. Et l'Afrique n'était pas en reste. Pour une fois, je pense que le monde entier a constaté qu'il y avait une vraie fragilité dans la mondialisation. Et avec cette pandémie, quand les frontières se sont fermées, il fallait vraiment compter sur ses propres ressources. Et c'est cela qui a été vraiment le défi qui nous permettrait de savoir aujourd'hui qu'effectivement, nous pouvons compter sur les puissances internationales, mais clairement, l'Afrique devait travailler à ce que l'innovation soit une réalité dans son continent et dans chacun de nos pays. Parce que là, on faisait face à une situation inédite où nous recevions plus de personnes venant de l'étranger parce que les frontières étaient fermées. Et nos États avaient pour la plupart décrété le confinement ou le couvre-feu, mais l'État quand même ne devait pas arrêter à fonctionner. Et je pense qu'à ce niveau, l'État devait donner l'exemple. L'État devait montrer à la population comment nous pourrions, avec cette situation, continuer quand même à mener nos politiques publiques, à délivrer des services pour les populations. Et à ce niveau, je pense que la seule solution était d'utiliser le digital, de vraiment permettre à ce que le digital puisse nous permettre d'être résilients. À ce niveau, notre président donc a tout de suite, dès l'apparition de la pandémie au Sénégal, déclenché ce qu'on appelle le e-conseil des ministres. Donc le conseil des ministres a été fait de manière en téléprésence pour vraiment donner le là au niveau de l'administration. Et c'est là que quand même est apparue réellement l'utilisation des téléconférences, de la visioconférence au niveau de l'État. Des milliers de sessions ont commencé à être animées dans l'administration pour permettre vraiment à ce que nous puissions avoir une continuité d'activité. Et je pense que ça également, au niveau des administrations, rapidement,
les structures ont commencé vraiment à s'adapter. Et c'était important d'avoir vraiment cette possibilité de continuité d'activité. Ça, c'était la première étape. Également, au niveau des populations qui très souvent devaient également recevoir des services qui étaient délivrés par les administrations, il était important que l'administration puisse communiquer avec elles. Et à ce niveau, c'est les problématiques de connectivité, c'est les problématiques d'accès aux plateformes digitales qui se posaient. Et à ce niveau, donc clairement, au niveau de l'agence que j'ai l'honneur de diriger, l'agence de l'informatique de l'État, nous avions d'ores et déjà travaillé vraiment à ce que nous puissions avoir cette connectivité, avoir cette plateformisation au niveau du gouvernement. Nous avons, au niveau du gouvernement sénégalais, déployé notre propre réseau. Nous avons également déployé nos propres plateformes dans nos data centers. Et à ce niveau, on n'avait pas réellement besoin, en tout cas, d'avoir recours à, donc, des sociétés étrangères. Donc, notre plateforme était déjà disponible. Et à ce niveau, donc, les administrations ont tout de suite vraiment pu voir les ressources que nous avions développées jusqu'à maintenant et qui étaient malheureusement sous-utilisées. Et la COVID a montré vraiment l'utilité de ces plateformes. Et à ce niveau, vraiment, les administrations ont pu utiliser ces plateformes et on a eu des niveaux d'utilisation jamais égalés. Donc, ce qui montre tout simplement que cette pandémie aussi nous fait, en tout cas, réfléchir par rapport à la place du numérique dans, en tout cas, la manière de mener les politiques publiques. Et à ce niveau, je pense que ces moments de crise nous permettent de nous remettre en question. Et donc, ces moments de crise ne sont pas forcément mauvais pour vraiment que cette transformation digitale que nous avons tant voulu en Afrique puisse vraiment s'accélérer durant cette période. Parce que les plus hauts dirigeants des pays ont compris les vrais enjeux du numérique, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et vraiment, la COVID a permis de booster un vrai, en tout cas, dynamisme dans le secteur des télécommunications et du numérique en général et permettre à nos pays de vraiment bénéficier au mieux des avantages qu'offre aujourd'hui le numérique et le digital. Voilà, en guise d'introduction, ce que je voulais dire. Et merci beaucoup. Moi, ce que j'en tire. Je salue aussi Softic, nos partenaires qui nous accompagnent, en tout cas à travers le partenariat que nous avons, qui est une structure au niveau de la Tunisie. Et on travaille avec elle pour vraiment renforcer cette digitalisation au niveau de l'État sénégalais. Merci. Merci à vous. En effet, moi, ce que j'en tire comme conclusion, en résumé, c'est que rapidement, le gouvernement sénégalais et votre agence, vous vous êtes mis en route. Vous aviez un plan de continuité d'activité, quelque part, qui vous a permis de rapidement vous mettre en marche. Vous avez saisi cette difficulté comme une opportunité pour utiliser des ressources sous-utilisées, de gagner en autonomie en étant moins dépendant de l'expertise étrangère et de vous appuyer sur vos propres expertises, ou en très probablement, de ce que je comprends, en faisant un upgrade de vos propres expertises locales. Et donc j'imagine que aujourd'hui le Sénégal est mieux préparé comme jamais à des enjeux que de ce type. Merci beaucoup. Donc, je voulais passer la parole à M. Mamadou Diallo, qui est le CEO de CEO Mag, qui est avec nous en ligne. Je ne sais pas si vous pouvez nous donner le lien. Bonjour, M. Diallo, comment allez-vous? Bonjour, vous allez bien, cher ami? Super. Mais on ne se rendait pas compte de quel impact aurait pu avoir cette pandémie. Hein. Et donc, vous, qui êtes le directeur général de CEO Mag, vous avez une vue un peu plus globale sur toutes les transformations qui se font ou qui sont en fait en Afrique durant ces derniers mois, durant cette dernière année.
Pouvez-vous, en 5-6 minutes, nous dresser un peu une idée du paysage? Qu'est-ce qui a changé exactement? Qu'est-ce qui s'est renforcé véritablement? Et peut-être qu'est-ce qui resterait à améliorer? Mais ça, on y reviendra peut-être au deuxième tour de table. Bien. Merci beaucoup, cher ami, pour cette invitation. Donc, je remercie les partenaires du FUTA pour cette belle organisation. Donc, j'avais l'habitude de participer en présentiel à ce forum en Tunisie. Donc, vous l'avez rappelé, lors des deux dernières éditions, j'étais en Tunisie pour participer avec eux en présentiel et mener même des activités parallèles pour CIUMAG en termes de partenariat. Cette année, l'occasion ne nous a pas permis de venir, mais je suis de tout cœur avec vous et je salue mon ami cher Baroum qui est parmi vous, avec qui on a l'habitude de travailler ensemble et l'ensemble des amis qui sont dans la salle et qui me suivent. Alors, donc ça a été dit, donc je ne reviendrai pas là-dessus, que la crise a été un accélérateur pour l'adoption des outils du digital. Un ami me disait récemment que c'était un meilleur chef de projet, donc la pandémie de la crise a été un meilleur chef de projet pour le digital, puisqu'on a connu une accélération de 5 années, en une année, donc on a connu une accélération de 5 ans en termes d'adoption des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est énorme. Donc on avait des réticences. Auparavant, on avait des a priori par rapport à aller vers le digital. Et donc la crise a montré en termes de résilience qu'on n'avait pas le choix. On était obligé d'aller vers le digital. Et le résultat, on a connu une accélération très rapide de ce phénomène. Alors, donc un constat que je partage également, c'est la crise de la pandémie a révolutionné également la communication. La preuve, aujourd'hui, s'il n'y avait pas cette crise de la pandémie, on n'aurait jamais accepté qu'un ministre de la République ou une autorité publique accepte de participer à des panels de ce type en visioconférence. Et donc, je pense que c'est juste un révélateur de ce qui a été, de ce que la crise nous a apporté. Donc, une accélération, une révolution de la communication des acteurs publics. Ils ont fait du digital la clé de voûte de tout ce qui est communication pour diffuser les consignes sanitaires, pour assurer la continuité du service public, comme l'a rappelé tout à l'heure l'intervenant, le conseiller du ministère du TIC, et cher Baroum, avec notamment le e-conseil des ministres mis en place au Sénégal. Et de ce fait, donc, on a assisté à ce qu'on appelle l'explosion de l'empreinte numérique. L'explosion, donc, ça va entre 1000 et 1400% dans les différents pays africains notamment. Donc, le pays que je connais un peu plus, c'est le Maroc. On a assisté jusqu'à 1400% d'explosion de l'empreinte numérique. C'est quoi l'empreinte du numérique? C'est un mesurable quantitatif de la présence d'une entité comme l'État, comme le pouvoir public, sur l'ensemble des réseaux sociaux, comme les blogs, les forums, la presse en ligne, etc. Et donc, sans surprise, donc, on voit que c'est le ministère en charge du numérique, le ministère en charge de la santé qui a été le plus présent. Donc, on a vu toutes les communications qui ont été passées par les ministères en charge du numérique pour accroître cette empreinte numérique, pour passer donc des consignes, etc., au niveau des populations. C'est un phénomène qui a été, qui ne serait pas possible s'il n'y avait pas cette crise-là et qui a vraiment été un révélateur de l'accélération de la communication et de la proximité entre les autorités publiques et la population. Ça a été dit, ça a également renforcé la collaboration entre les startups, l'écosystème des startups et les pouvoirs publics, parce que jusqu'à présent, l'écosystème des startups n'était pas souvent bien comprise. Donc, je ferai exception de la Tunisie qui a mis en place une stratégie pour adopter les stratégies des startups. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, mais je pense qu'aujourd'hui, en termes de résilience, les startups se sont réunis pour mettre en place des réponses. Au Sénégal, c'était une réponse qui s'appelle « Dans le Covid », c'est-à-dire « Combattre le Covid » à travers donc, l'innovation de l'Afrique. Donc, j'aime bien le rappeler que dans l'imaginaire, l'Afrique n'a jamais été associée à une terre d'innovation. On consomme plus qu'on ne produit, mais je pense que la crise de la pandémie a mis en exergue la capacité de nos startups, de notre écosystème d'innovation à mettre en avant donc, des solutions très, très innovantes. La preuve de ce qui montre ce dynamisme des startups, on a fait pendant cette crise une cartographie des innovations qui ont été menées dans les différents pays. On s'est rendu compte qu'il y avait et puis ce qu'on a également remarqué, c'est qu'il y avait des ressemblances, des similitudes entre ce qui se faisait dans les différents pays, puisque les problématiques étaient les mêmes.
Donc, entre manque d'infrastructures hospitalières et on s'est rendu compte que voilà, tout nous venait de l'extérieur, où la plupart des choses que nous produisons ou dont on avait besoin nous venaient de l'extérieur. Il fallait désormais penser à produire au niveau local. Donc, des solutions technologiques ont apporté donc cette réponse à ce manque d'infrastructures. Donc, dans des pays comme le Ghana, donc on est arrivé à faire du zéro papier dans les hôpitaux grâce à la blockchain. Dans des pays comme le Rwanda, on arrive à faire l'amélioration des suivis de grossesse grâce à des solutions liées sur des SMS. Et également, on a vu également des solutions de poches de sang, donc des livraisons des poches de sang grâce à des drones dans des pays comme le Rwanda qui ont été une très grande révolution. Et tout ceci est... ce qui marque également, c'est les investissements, l'accroissement des investissements dans ce domaine de l'innovation en Afrique. En pleine crise, on a vu une hausse de 43% des investissements liés à l'innovation. C'est énorme. Donc, ces innovations, ils ont cumulé plus de 701 millions de dollars en 9 ans, donc 43% de progression par rapport à 2019. Et donc, pendant cette période, on a vu que les investissements directs enregistraient un recul de 18% en Afrique notamment. Et on voit le parallèle, donc 43% pour l'innovation et 18% de recul par rapport à l'économie traditionnelle. C'est quelque chose qui mérite d'être salué. Et donc, peut-être qu'il y a des choses à revoir par rapport à cela. Cet accroissement des investissements qui paraît important, donc 43%, c'est énorme, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que ces investissements se limitent à un secteur qui est le secteur de la fintech, qui absorbe une très grande partie de ces innovations, de ces investissements, et c'est concentré dans quelques pays, notamment donc les pays anglophones. Donc les pays francophones ont été les parents pauvres de ces investissements. Donc peut-être on reviendra plus tard sur d'autres impacts qu'ont connu cette crise, d'autres impacts sur le plan de l'administration, le télétravail, l'enseignement à distance, etc., qui ont connu un bond très important en termes d'innovation à travers cette crise. Vous avez observé durant cette année et quelques qui sont passées, c'est une capacité plus forte d'adaptation des divers pays africains, mobilisant des compétences différentes, des capacités différentes, à mieux communiquer avec la communication, à produire des services publics ou à assurer la continuité des services publics dans les différents pays. Vous avez remarqué un usage plus intensif des réseaux sociaux, notamment dans le cadre de communautés qui permettent un peu de leverager et de consolider la communication lorsque l'on est confiné et dans des conditions particulières. Mais vous avez aussi, et ça je l'ai bien noté, une sorte de fracture numérique entre des pays, notamment de l'Afrique anglophone, qui suscitent ou réussissent à drainer énormément d'investissements dans le numérique, comparativement en tout cas aux pays francophones, et puis qui sont peut-être un peu trop concentrés sur les fintech, pas assez sur l'edutech, pas assez sur le healthtech. Je pense qu'à la fois, il ne s'agit pas de drainer des investissements massifs uniquement dans un secteur bien déterminé, mais répartir bien évidemment ces investissements sur un portefeuille stratégique d'activités numériques qui permettent bien évidemment de dépasser des contextes particulièrement difficiles comme ceux que nous avons vécu et que j'ai l'impression en tout cas que nous ne sommes pas encore totalement sortis du tunnel. Voilà, Guesmi. Donc justement, sur cette question des start-up, vous qui êtes un peu qui baignez dans cet écosystème depuis plusieurs années, vous dirigez plusieurs structures qui sont ou des start-up elles-mêmes ou au service des start-up. Ça signifie quoi pour vous cette pandémie finalement? Elle a eu quel impact pour vos activités et les activités de vos confrères de la même taille, du même âge, etc., qui ont dû aussi s'adapter, sollicité aussi par les pouvoirs publics, mais aussi sollicité par le terrain, parce que le contexte a changé. Merci.
Merci pour l'invitation. Bonjour tout le monde. Donc, je voudrais parler de la pandémie en tant que pandémie qui continue maintenant. Elle n'est pas juste Covid-19, on est là Covid-21 avec plusieurs variantes. Donc, la transformation digitale ou le tipping point qu'on peut créer grâce à cette pandémie est toujours continue. Donc, on est appelé encore à prendre des décisions, à être en action face à ce qu'on est en train de vivre. Donc, en 2020, quand on a eu la pandémie en Tunisie, et surtout quand on a eu le confinement général, étant une activiste du digital depuis des années, j'étais en train de faire du plaidoyer pour une Tunisie numérique. J'ai participé à toutes les commissions pour une Tunisie numérique 2018 après 2020. C'était vraiment la joie de voir, sur tous les niveaux, au point de vue au ministère, les directeurs, dans tous les ministères, au niveau de la présidence du gouvernement, partout, c'était vraiment la joie de voir les gens, les directeurs adopter la technologie, adopter ces pratiques technologiques pour s'organiser et pour être agile et pour continuer à travailler et continuer à maintenir les services de l'État et en même temps et en utilisant le digital. Donc c'était vraiment une opportunité pour créer un tipping point. Je pense que l'opportunité, elle est toujours d'actualité. Dans notre cas, à WeCode, je dirige deux structures. La première structure, c'est Isopia, Technology in the Interest of Society. Et ce qu'on a fait durant la pandémie, c'est qu'on a mobilisé les médecins, on a mobilisé les architectes, les mécaniciens, tout secteur et toute spécialité confondue pour justement innover au service de l'intérêt général, pour innover, pour créer des applications, des ventilateurs d'oxygène, beaucoup d'initiatives qui ont après été accompagnées par le ministère, qui ont été aussi accueillies par les autorités publiques d'une façon positive. À WeCode, qui est une start-up qui s'occupe de l'éducation dans le numérique, en fait, on est en train d'adresser un marché qui est de l'ordre de 600 millions de personnes qui sont au chômage au niveau international. Il s'agit de 125 millions de jeunes qui sont ni en formation, ni en éducation, ni en emploi en Afrique. Donc on s'attaquait à un marché qui était assez grand grâce à l'économie numérique. Et là, ce marché, donc c'est une nouvelle opportunité parce que ce marché, il touche plus que 1 billion de personnes maintenant, vu que quelques centaines de millions ont perdu leur travail. Je dirais pas perdu leur travail, mais il y a une opportunité de reconversion professionnelle. On sait très bien qu'avec la révolution industrielle, il y a eu la disparition de plusieurs métiers. Je pense que cette révolution, qui est révolution digitale, il y a eu une apparition de plusieurs métiers et il s'agit de créer et d'adopter des initiatives qui viennent, not top-down, mais bottom-up, qui permettent justement d'offrir des alternatives d'apprentissage à ces jeunes et d'offrir des alternatives de reconversion professionnelle. Donc, j'invite les autorités en Afrique, j'invite les decision makers, les business leaders à investir dans ce continent. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas, we didn't surf the wave of de la révolution industrielle, mais il y a moyen de passer à une révolution digitale, surtout avec la puissance démographique que ce continent a. Le plus grand nombre de natifs digitaux existe en Afrique, il est en Afrique, et si on arrive à investir dans l'infrastructure, dans les usages, on pourra créer un tipping point pour tout le continent. On pourra faire de tous nos problèmes des opportunités business. Et voilà, en investissant aussi dans les jeunes, avec ici en Tunisie, on a Startup Act, on a plusieurs initiatives, on a Smart Capital, on a réussi à mobiliser beaucoup de fonds à l'international pour appuyer les startups.
Je pense que si on adopte la même démarche sur le plan continental, on pourra faire de l'Afrique un hub d'innovation et on pourra exporter, avoir des licornes et exporter les innovations de nos jeunes vers les autres continents. Voilà. Merci beaucoup, Alain. Donc, je ne m'attendais pas à moins qu'un appel à la révolution digitale de la part d'un représentant de l'écosystème des startups. Donc, vive la révolution digitale. Et donc, ce que j'en retiens, c'est que cette pandémie a rapproché l'écosystème des pouvoirs publics. Elle a aussi rendu certains services ou certains positionnements de certaines startups comme étant stratégiques, extrêmement utiles. Presque un bien public ou un bien d'intérêt public, l'éducation notamment, à la population. Merci Wallet. Je voudrais donc passer la parole à Simon Stramozani. Vous avez une longue expérience de direction d'entreprise publique ou d'entité publique, notamment qui ont fait face à des enjeux de transformation digitale. De par le passé déjà, à la base. Et vous êtes aujourd'hui, avec votre entreprise de CW, engagé dans des chantiers un peu partout, en Tunisie et en Afrique, dans justement des chantiers qui ont des implications en matière de transformation digitale. Je voudrais vous poser la question suivante. Est-ce que les entreprises publiques, en tout cas celles que vous avez dirigées, celles que vous conseillez aujourd'hui, ont été capables véritablement d'agilité, d'adaptabilité, de capacité de résilience finalement par rapport à cette pandémie, où ont été à la fois les succès, mais les faiblesses de ces structures. Merci Simon. Merci Achraf, merci pour cette invitation. Merci pour la question qui n'est pas si simple que ça. Surtout en 5-6 minutes, oui. En termes d'expérience de gestion d'entreprise publique, en réalité, j'ai géré une entreprise publique qui est TTN Tunisie TradeNet, qui a fait preuve de résilience puisque c'est une entreprise qui, à l'origine, a été faite pour prester des services en ligne. Et c'est une entreprise qui a été créée justement pour pouvoir réaliser en ligne les formalités de commerce extérieur. Et donc, heureusement que cette entreprise a pu répondre, je dirais, a pu continuer à travailler normalement comme elle travaillait avant pendant la crise. Mais bon, c'est un cas particulier puisque son objectif était justement le service en ligne. Et pour revenir justement au point qui est important, je dirais, au niveau de la crise Covid et de la continuité des services publics en général, que ce soit des entreprises, que ce soit l'administration ou autre, qui est la question, je pense, qui est la plus importante. Les pays, en général, la Tunisie aussi, mais les pays en général ont répondu selon à cette contrainte-là, je dirais, selon différents niveaux. L'exemple type, je dirais, l'exemple que j'aime citer, c'est l'Estonie, qui pour moi est le seul pays qui a fait sa transformation numérique, quand on parle de transformation numérique à proprement parler, mais c'est un pays qui s'est investi très tôt dans le développement de services en ligne et qui a voulu avoir une administration entièrement en ligne et qui a développé quasiment 100% des services administratifs en ligne, et les services administratifs qui n'ont pas été développés en ligne sont des services qui l'ont été exprès parce qu'on tenait à ce que ça soit une personne présente physiquement pour réaliser l'acte, tel qu'une personne qui va vendre un bien immobilier ou autre. Et donc, c'est un pays qui a pu continuer à fonctionner normalement. Même son enseignement a continué à fonctionner normalement parce que le téléenseignement existait déjà avant la crise Covid. Pourquoi je dis ça? Et d'autres pays, naturellement, qui n'ont pas pu avancer aussi rapidement ou qui n'ont pas pu poursuivre et continuer, je dirais, la continuité des services publics parce que ces pays-là n'étaient pas préparés. Et justement, le numérique ne s'improvise pas. Le télétravail ne s'improvise pas. Les services en ligne ne s'improvisent pas.
Soit c'est quelque chose de préparé, soit c'est quelque chose de convenablement étudié, soit c'est quelque chose qui a été prévu, planifié et mis en place, et donc on pourra en bénéficier, ou bien on se trouvera dans une situation où on ne pourra rien faire. Et je considère que la crise Covid est quelque chose de très bénéfique pour le numérique. Je dis bien pour le numérique, pas du tout bénéfique sur d'autres plans, mais de très bénéfique pour le numérique parce que justement, elle a pu montrer à beaucoup de pays que on n'était pas au niveau qu'on prétendait l'être au niveau du numérique. Et que on n'était pas préparé comme il se devait pour faire du numérique. Si vous voulez, je vais donner un exemple simple. Le sportif, ce n'est pas celui qui reste, je dirais, vautré sur son fauteuil à regarder un match de la Coupe d'Europe. Ça, ce n'est pas un sportif. On peut à la limite dire un sportophile, un mot qui n'existe pas, comme on dirait un cinéphile, mais ce n'est pas du tout un sportif. Le sportif, c'est celui qui fait du sport. Et le numérique, c'est la même chose. Celui qui consomme le numérique sans produire, ou celui qui se dit être du numérique, ou le pays qui prétend être numérique alors qu'il ne l'est pas vraiment, n'est pas du tout un pays numérique. Et donc, pour revenir à l'improvisation, si on prend le cas du télétravail, et tout le monde s'est mis au télétravail, le télétravail ne s'improvise pas non plus. Quand on veut qu'une administration, qu'une entreprise publique ou privée puisse faire du télétravail avec et que son personnel puisse faire du télétravail, il faut que cela ait été prévu. Il faut qu'on ait des systèmes d'information qui sont fonctionnels. Et donc, si on veut passer au télétravail, auquel cas, on va juste ouvrir ces systèmes d'information sur l'extérieur. Mais si on n'a pas de système d'information fonctionnel, opérationnel, on ne peut pas aller vers le télétravail. La même chose, le télétravail ne s'improvise pas d'un point de vue humain, je vais dire, parce que la personne chez elle doit être outillée pour pouvoir faire du télétravail. On ne fait pas du télétravail dans la cuisine, sur la chaise de la cuisine sur laquelle, qui est prévue pour pouvoir tenir assis une demi-heure, et non pas pour pouvoir tenir assis 8 heures par jour. On ne fait pas du télétravail en considérant qu'on est à la maison. Non, on n'est pas à la maison, on est dans le travail, donc on ne peut pas faire du télétravail et garder les enfants en même temps. Je vais juste, avant de la même chose pour le téléenseignement, hein, mais je vais juste rebondir deux petits points rapidement sur ce que vous discutiez tout à l'heure avec Mohamedou Diallo, que je salue par ailleurs. La différence entre les pays anglophones et les pays francophones, à mon avis, c'est une question de culture, c'est une question d'ouverture sur l'innovation, c'est une question de culture et d'accepter ou pas d'aller plus rapidement à l'innovation, d'accepter ou pas de, je dirais, faire confiance à des partenaires privés pour pouvoir permettre d'avancer très rapidement sur certaines choses, etc., et non pas que investir sur les fintech ou investir sur d'autres choses. Et pour terminer, je dirais que, comme j'ai commencé par dire que la crise Covid est une opportunité pour le numérique, les crises, en général, sont des opportunités. Et il faut les prendre comme étant des opportunités. Apprendre de ces crises-là, et c'est très important qu'en apprenant de ces crises-là, on transforme et on change de manière de faire. Et non pas, par la suite, continuer à travailler de la même manière et de s'attendre à des changements. Parce que quand on continue à travailler de la même manière, on obtiendra toujours les mêmes résultats. Et je terminerai par citer Einstein qui a dit que la folie, c'était de faire toujours la même chose et de s'attendre au même résultat, et de s'attendre à des résultats différents. Voilà. Merci. Voilà, merci. Merci, Simon Stfa. Donc, en effet, je vous rejoins. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, in fine, c'est qu'il ne suffit pas d'augmenter les pentes passantes, il ne suffit pas de mettre plus de numérique, il ne suffit pas d'installer plus d'applications. Il faut de toutes les manières changer de paradigme. Pourquoi faut-il changer de paradigme ? Parce que
les transformations numériques engagent également des transformations humaines et organisationnelles dans leur sillage, et que c'est peut-être ces transformations humaines et organisationnelles dans le sillage des transformations digitales qui sont les plus dures, les plus difficiles et les plus critiques à mener pour que justement la transformation digitale puisse réussir. Merci, bonsoir. Si vous permettez, non, juste un petit point. Le changement de paradigme, c'est quelque chose que j'ai mentionné dans le titre d'un rapport que j'ai fait pour l'ITES pendant la période de l'Institut tunisien des études stratégiques, donc pendant la période Covid. L'intitulé du rapport, c'était « L'État, l'administration et le numérique, le changement de paradigme », justement pour dire que si on veut aller vers le numérique, si on veut que l'administration s'informatise, je vais dire, et se numérise, il faut déjà commencer par un changement de paradigme au niveau de l'administration pour que l'administration elle-même puisse accepter cette culture et aller vers une orientation service-client, service-citoyen-client. Vous venez de me tendre la meilleure perche possible pour revenir à l'CIRSAN. Justement, maintenant, nous avons un rapport de M. Mostfa sous l'égide de l'Institut tunisien des études stratégiques et donc sous la présidence de la République tunisienne, qui dit que nous devons changer de paradigme. Maintenant, pour ce second tour de table, moi, je voudrais juste m'interroger, me questionner avec vous sur, OK, en tirant toutes les conclusions de ce que nous venons de vivre, qu'est-ce que nous avons vraiment préparé pour l'avenir ? Est-ce que nous sommes vraiment prêts à changer de paradigme, ou peut-être avons-nous déjà changé de paradigme ? C'est ça. Merci, c'est Achaf. Tous les rapports de Simon, de toute façon, il faut les lire. Je reviens sur la... En fait, ça va répondre à la question, je vais y arriver, mais je suis d'accord avec Simon, de toute façon, aujourd'hui, on parle de Covid, ce qu'on a fait, etc., etc., etc. Mais regardons un peu plus l'avenir. Je reviens juste au XVIIe siècle, quand il y a eu l'épidémie de la peste. Tous les étudiants ont été renvoyés chez eux, dont Isaac Newton. Et c'est là que Isaac Newton, qui était dans son jardin, qu'il a vu la pomme. Et donc il a créé l'innovation à l'époque, c'était la gravité. Donc aujourd'hui, on est dans la même situation. C'est qu'avec la Covid, et les gens qui étaient chez eux, les start-up, les PME, et les sujets de résilience et de durabilité du business et de plan de continuité d'activité ont poussé aujourd'hui, ont positionné l'innovation au centre du sujet. Quand on regarde les dernières études, quand on parle surtout sur la partie business, 64% des entreprises dans une récente étude estiment que d'ici 2023, ils doivent revoir leur modèle, leur business model, s'il vous plaît, qui doivent l'orienter vers le digital. Ce qui est très fort, c'est-à-dire d'ici 2023, 64% des entreprises estiment qu'ils doivent se réinventer autour du digital, revoir leur business model. Et 21% qui doivent scaler, évoluer vers intégrer le digital dans leur business model. C'est-à-dire aujourd'hui, on voit que le digital, ce n'est plus une opportunité, c'est une obligation. C'est-à-dire c'est une opportunité, une obligation. Et pour nous également en Tunisie. La Covid, c'était un apprentissage. Ça ne veut pas dire que ce qui a été fait pendant cette crise-là, c'est ce que va faire la Tunisie de demain, ou c'est ça ce qu'on va construire d'ici 5 ans, 10 ans. Ça a montré des choses, qu'on sait travailler ensemble quand on le veut, et ça c'est important, parce que le problème aujourd'hui en Tunisie, on le voit dans pas mal de choses, on ne sait pas travailler ensemble, que ce soit le privé avec le public avec le public, et au sein même d'une seule structure. On a assez de créativité pour parfois bloquer des choses qui sont par définition très simples. Qu'on a des atouts qui sont la compétence. On a vu que les ressources et les compétences tunisiennes sont parmi les meilleures au niveau africain, s'exportent bien et nous ont sauvés au niveau de la crise. On a vu des start-up, on a un écosystème de start-up et de PME technologiques qui a continué à évoluer. Il faut savoir que pendant la crise, on a labellisé plus qu'une centaine de start-up pendant la crise. C'est-à-dire les start-up qui ont été labellisées, il y en avait plus qu'une soixantaine ou 70 qui ont été créées durant la crise Covid. C'est-à-dire pendant que les gens étaient confinés, ils ont réussi à créer leurs start-up et ces start-up ont réussi à avoir les labels. Donc ça montre qu'on a énormément d'atouts et le rôle de l'État aujourd'hui,
et je rejoins Simon, c'est d'aider et de se donner les moyens nécessaires pour faire avancer les choses. On sait le faire, parce que je vois en fait une réaction, oui, l'État, etc. Mais on a constaté que l'État et que la Tunisie est capable de faire des miracles. Croyons en nous, et je suis d'accord, il faut aujourd'hui accompagner, change the mindset, changer le mindset par rapport à ce digital. Quand on vient digitaliser la culture qui est ambiante, qui est généralisée aujourd'hui au niveau de l'administration, tiens, j'ai un service, je veux le digitaliser. Ok, quel est l'outil? Et mon processus, il fait A, B, C, D. Et du coup, on colle une application sur un processus qui est existant et qui est défaillant par définition parce qu'il existe depuis 70, depuis les années 70. Donc, l'idée du digital, c'est pas que d'avoir des outils, c'est de rechanger, redesigner les processus. Quand on veut digitaliser, le digital, c'est pas de mettre un outil informatique ou IT sur quelque chose, mais c'est de revoir la conception, redesigner le processus, de le simplifier, etc. Donc, pour répondre rapidement à la question, ce qu'on va mettre en place, notamment à travers la stratégie 2025, il y a plusieurs initiatives qui vont soutenir, en fait, cette évolution vers une Tunisie, on va dire, numérique, une Tunisie digitale, qui attire les investissements. Ça, c'est important. Ça, il faut le dire. Aujourd'hui, on doit se doter. On a des atouts, donc il faut les packager, il faut les brander. Il faut dire aux investisseurs, regardez, à la Tunisie, vous pouvez investir parce qu'il y a des ressources, il y a de la compétence, il y a de l'innovation. On parle d'incubation et d'excubation au niveau des entreprises. L'excubation aujourd'hui à travers l'écosystème des startups, ça pourrait être intéressant pour les grands groupes internationaux et les groupes africains. Et on a un cadre qui est favorable. C'est mal packagé peut-être, c'est mal lisible, mais il y a des choses, le Startup Act, la loi de l'investissement, etc. Il y a des choses qu'il faut simplifier, donc simplifier les démarches pour les investisseurs. La connectivité, on en a parlé, il faut combattre aujourd'hui le digital divide. Il est hors de question aujourd'hui qu'en 2021, qu'il y ait des personnes qui ont du mal à assister à des cours en ligne, pas parce qu'ils n'ont pas la connexion, mais parce qu'ils n'ont pas un ordinateur. Donc, ce qui est très grave. Donc, il faut aujourd'hui combattre cette inclusion, cette fracture digitale, que ce soit à travers l'outil, à travers la connexion et à travers l'usage du numérique. Au niveau de la digitalisation de l'administration, on revient toujours en parlant digital à l'administration, mais il n'y a pas que l'administration dans le digital, il y a les PME, les entreprises qui doivent se digitaliser. Pour l'administration, on va réinventer, en fait, on va repackager ce qui a été fait pendant le Covid à travers Tech for Tunisia, qui est un cadre, un framework de travail qui s'inspire de ce qui a été fait durant la crise pour faire travailler l'écosystème digital, PME et start-up, avec le public, tout en essayant de bypasser toutes les problématiques autour des achats publics, autour de la réglementation, autour de la sélection, etc., etc., qui parfois prennent 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, il est hors de question, il n'est pas concevable, quand on parle de digital, qu'on parle d'un besoin et que l'outil ou le produit, il arrive, même pas le produit, que l'appel d'offres se lance qu'après 2 ans, 3 ans. On a des projets qui sont en retard, et je pense que Simon, enfin, il les connaît, il était au cabinet d'un ancien ministre, je pense qu'il y a des projets qui n'ont pas encore vu le jour ou qui sont en cours de cadrage ou de préparation, voilà, sont toujours d'actualité. Donc ça, c'est franchement pénible pour tout le monde. Et donc il faut vraiment accélérer. Donc on a proposé la refonte du cadre des achats publics qui sortira dans les prochaines semaines. La Covid, quand même, il faut signaler, ça a été l'occasion pour faire passer des textes qui avaient du mal à passer, le circulaire de la Banque centrale sur le e-wallet, le décret 07777 sur les échanges électroniques des données, mais qui a du mal à aboutir parce que ça se passe dans la tête et non pas dans les lois. Booster l'innovation, je l'ai dit, l'innovation, c'est le cœur de la transformation après Covid, c'est le sujet au centre de l'après-Covid. Donc l'innovation, c'est quoi? C'est comment aujourd'hui la Tunisie peut se doter, en fait, peut se positionner sur des technologies de rupture et émergentes et ne plus être un pays qui se positionne que sur la technologie quand elle est généralisée ou industrialisée, et du coup on se positionne en bas de la chaîne de valeur et on fait que du nearshore, low value. L'idée, c'est de continuer à faire ça. On a des atouts là-dessus, mais créer un autre segment qui est le segment de la rupture et de l'émergence. La formation et l'emploi, ça, il faut continuer, mais il y a encore des lacunes également. Même s'il y a des atouts, on peut encore faire plus.
pour accompagner, et je finis, et la cybersécurité. Donc ça, c'est qui est un sujet assez stratégique pour l'avenir. Donc voilà, donc pour moi, la post-Covid, c'est le digital et l'innovation, changer la façon de travailler et surtout changer l'état d'esprit. Il faut arrêter de réfléchir quels sont les problèmes, quels sont les blocages. Aller dans la... On n'a plus le temps. Le temps passe, les technologies, tous les six mois, on a une nouvelle techno qui apparaît, on a des nouveaux acteurs qui apparaissent sur le marché. La disruption, la barrière à l'entrée pour la disruption, elle est devenue très faible parce que le client, l'usager s'est approprié le digital avec le Covid. Et donc, il faut que les choses soient plus accélérées, plus rapides à être mises en œuvre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sersan. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a une volonté forte de l'État tunisien, en tout cas, d'aller de l'avant, d'accélérer le pas. Cette pandémie a servi aussi d'alibi, sinon d'arguments importants pour dire que la transformation digitale, ce n'est pas une application en plus à greffer sur des processus défaillants, mais il va falloir revoir l'ensemble du design avant de mettre en place l'application. Et j'ai bien noté... Juste un petit... Je rebondis, et quelque chose qui est assez qu'il faut et qu'on est en train de travailler dessus... L'innovation ne doit pas être bloquée par manque de réglementation ou parce qu'il y a une réglementation qui date des années 70. Oui. Donc ça, c'est très important et on est en train de travailler sur ce sujet, pour éviter qu'il y ait que certains événements se produisent et également pour libérer les énergies. Oui, alors ça nous porte à un autre sujet, celui de l'existence de textes qui n'ont rien à voir avec le 21e siècle. Ou l'inexistence de textes qui ouvrent éventuellement, par rapport à certains nouveaux usages, des interprétations qui n'ont rien à voir au 21e siècle. Mais j'ai l'impression que parfois nous avons de très bons textes de loi, de bons textes législatifs finalement en Tunisie, mais entre les textes et l'application, il y a parfois un écart et une capacité opérationnelle à appliquer qui est parfois... un peu difficile à mettre en œuvre. Vous m'excuserez auprès de monsieur le ministre des TIC. On essaiera de couper ça en montage, s'il vous plaît. Non, mais je taquine, Sersan, je taquine. Donc, voilà. Monsieur Cheikh Bachoum, donc, vous, de votre côté, lorsque vous regardez l'avenir, maintenant, avec les acquis qui ont été accumulés durant cette pandémie, durant laquelle vous êtes adapté, vous avez gagné en capacité, en autonomie, comment regardez-vous l'avenir? Comment, dans quel état d'esprit avez-vous déjà engagé une sorte de changement de paradigme? Alors, nous regardons l'avenir avec beaucoup de sérénité, mais également avec beaucoup d'espoir. Parce que clairement, cette pandémie a montré que effectivement, il fallait qu'on compte d'abord sur nos propres ressources. Et à ce niveau, je pense que ce qui a été fait durant cette pandémie a montré la capacité de nos ressources humaines à vraiment prendre en charge nos vraies problématiques. Parce que très souvent, on a tendance à importer des solutions qui nous viennent d'ailleurs, et qui malheureusement ne correspondent pas forcément à nos réalités. Et je pense que nous devons changer de paradigme désormais. Il faudrait qu'on réfléchisse par nous-mêmes de nos propres problématiques et que derrière nous puissions trouver des solutions adaptées à nos problématiques. Je pense qu'ici, au niveau, en tout cas pendant cette pandémie, nous avons vu en tout cas la nécessité à ce que les administrations puissent réellement travailler ensemble. On a vu clairement que le cloisonnement qu'il y avait dans nos États fait que pour pouvoir délivrer des services, surtout des services en urgence durant cette période, parce que tout était urgence, il fallait vraiment que nous puissions travailler ensemble et que l'agilité dont on parle, un peu partout dans le monde, ça doit être également une réalité dans nos administrations si nous voulons délivrer un service public de qualité. Donc je pense que c'est ça aujourd'hui l'enjeu, et le numérique a montré encore une fois que c'est possible.
Maintenant, comment aborder la phase post-Covid? Comment ne pas, en tout cas, bénéficier de tous ces acquis que nous avons eus durant cette pandémie? Il est important que nos États puissent vraiment diagnostiquer tout ce qui a été fait durant cette période et voir comment continuer à l'implémenter, comment nous pouvons davantage investir dans ce secteur, parce que malheureusement, quand même, en tout cas nous au Sénégal, quand on voit les, en tout cas les politiques publiques prioritaires, très souvent le numérique est en deçà, en bas. Et donc, du coup, alors que le numérique aujourd'hui doit pouvoir supporter l'ensemble des secteurs de la vie économique et sociale, et c'est ce positionnement-là qu'il va falloir que le numérique ait pendant, en tout cas durant toutes ces années qui vont venir, si nous voulons accélérer l'émergence de nos pays, le développement de nos pays. Et c'est de cela qu'il s'agit, et je pense que, en tout cas, cette pandémie a permis à nos gouvernants de comprendre les vrais enjeux et aujourd'hui de considérer réellement le numérique comme étant un moteur de la transformation de nos économies tout court. Voilà, donc c'est de cela qu'il s'agit et je pense que nous allons véritablement y arriver. Et en tout cas au Sénégal, nous sommes en train de travailler à ce que nous puissions mettre à jour que notre stratégie que nous avons définie, la stratégie 2025 et son opérationnalisation, pour que véritablement cette pandémie-là nous permette de bénéficier au mieux de ces ressources numériques qui sont un peu partout, qui ont été développées durant toutes ces années, mais qui malheureusement ne sont pas utilisées de manière optimale. Voilà, donc je pense que, en tout cas, l'avenir ne peut être que positif pour le continent et nous devons continuer à développer des infrastructures de qualité et vraiment avoir ce service de proximité dans nos différentes localités parce que ça, c'est ça aussi le véritable enjeu parce que très souvent les services sont juste au niveau des capitales et des grandes villes et dans les régions périphériques ou les régions qui n'ont pas en tout cas les infrastructures de base ne bénéficient pas forcément du même niveau de service. Et je pense qu'aujourd'hui, grâce au numérique, nous pouvons vraiment donner ce service universel dans tout le pays et même au niveau de l'étranger et permettre à ce que nos États soient beaucoup plus attractifs et les services que nous donnons puissent vraiment être des services de qualité pour nos populations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, ce que j'en tire comme conclusion, c'est que vous pointez peut-être vous ne l'avez pas dit de manière directe comme ça, mais moi, de ce que je comprends, pour vous, le numérique, l'infrastructure numérique est devenue une question de souveraineté nationale. Et c'est une question de souveraineté nationale, je le pense aussi. Et que chaque pays doit faire les efforts nécessaires pour être pleinement autonome, pleinement capable d'affronter les enjeux du numérique seul, parfois avec des partenaires, mais le plus souvent possible, seul, en capacité, avec ses compétences, avec ses moyens techniques, lorsque c'est possible. Et je pense que le message aussi par rapport à la ruralité, l'accès au numérique, aux régions les plus reculées, parfois les plus défavorisées, parce qu'on le remarque toujours, entre la moyenne des revenus dans les espaces urbains et 200-300 km plus loin, c'est pas tout à fait la même chose. Et je pense que le message d'espoir a bien été reçu. Mamadou Diallo, donc à distance, est-ce que pour vous aussi, vous ressentez que les autres pays africains ont eu une approche de la transformation numérique pendant cette pandémie qui rejoint cet état d'esprit-là? Le numérique est une question de souveraineté nationale? Oui, tout à fait. Le numérique est une question de souveraineté nationale parce qu'on bâtit sa souveraineté. J'aime bien le rappeler en parlant des infrastructures parce que ça va faire l'objet d'un panel que nous organiserons prochainement lors des assises de la transformation digitale que j'organise tous les ans.
C'est sur la question de la souveraineté numérique qu'on remarque que l'Afrique est encore un continent colonisé numériquement. C'est un mot choc, parce que quand on voit la plupart des infrastructures costauds sont aux États-Unis, sont au Japon, sont en Asie, etc., en Europe, dans une moindre mesure, l'Afrique n'a pas encore son cloud. On parle de cloud africain. Aujourd'hui, il n'y a que l'Europe qui n'avait pas son cloud. L'Europe est en train de mettre en place Gaxia, qui est son cloud européen. Et l'Afrique resterait donc, en ce moment-là, le seul continent au monde à ne pas avoir son cloud souverain. C'est un vrai problème, donc j'appelle une réflexion à ce niveau-là pour qu'on puisse gagner en souveraineté. La semaine dernière, ou même je pense que c'était cette semaine, Cher a participé à l'inauguration du data center tier 3 au Sénégal. On voit l'émergence de ces data centers tier 3 dans la plupart des pays. Le Togo en a fait il y a un mois, le Bénin il y a un mois et demi. Ils ont tous inauguré des data centers tier 3. Je pense qu'il faut arriver à mutualiser toutes ces ressources pour qu'on gagne plus en indépendance, plus en autonomie, pour qu'il y ait cette réponse par rapport à la résilience au niveau des infrastructures. Moi, deux points sur lesquels je souhaitais rebondir par rapport au changement de paradigme, c'est la prise en compte de cette jeunesse africaine. C'est un point très important auquel je suis très sensible et je pense que c'est une bombe humaine qu'on voit tous les jours, et si on n'arrive pas à l'adresser, si on n'arrive pas à l'adapter aux besoins économiques de l'Afrique, ça risque d'exploser. Quand on voit ces traversées de frontières, que ce soit vers Ménilia ou avec la frontière italienne pour la Tunisie, des jeunes qui partent avec des barques vraiment dans le désespoir le plus total, alors que nous avons le continent qui a le plus de ressources, le continent qui a le plus de richesses, je pense qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là. Côté éducation, donc je disais par rapport à ce changement de paradigme, quelqu'un faisait récemment un parallèle par rapport à cela. Pour ce qui est de l'éducation, imaginez dans une ville comme une ville moyenne comme Abidjan, donc à Djamé, où il y a 50 naissances par jour. 50 naissances par jour, c'est 1800 naissances par an. On multiplie par le nombre de naissances par jour quotidien. Et tous ces jeunes, tous ces enfants-là qui naissent, doivent aller à l'école au même moment, c'est-à-dire à l'âge de 5-6 ans, donc ils doivent aller à l'école, ils doivent accéder à l'enseignement. Et aujourd'hui, on n'est pas en mesure de vraiment de pouvoir donner des réponses en termes d'infrastructure pour tous ces enfants. Donc, multiplier le nombre de salles de classe qu'il faut construire pour vraiment accueillir tous ces jeunes dans des conditions favorables. On ne peut pas le faire comme on le faisait auparavant. Donc, le changement de paradigme s'impose de façon fondamentale. En termes de population, imaginez que l'équivalent de la population de l'Europe viendrait s'ajouter à l'Afrique à l'horizon 2030. C'est 350 millions d'habitants en plus qu'on devrait accueillir dans les prochaines années. Et donc, ça pose un problème de défi en termes d'infrastructure, en termes de santé, en termes et même de vieillissement de la population à l'opposé. Donc, ça sont des problématiques que nous n'avons pas connues jusqu'à présent et qui vont se confronter à l'Afrique. Mm-hmm. Et sans parler également de la partie liée à l'agriculture. Donc, nous avons les terres les plus fertiles au monde et nous sommes encore dépendants de l'étranger par rapport à notre consommation agricole. Mm-hmm. Donc, c'est une aberration. Donc, si nous n'avons pas compris que ce changement de paradigme est maintenant qu'il faudra le faire, c'est qu'il y a un problème. Donc, ce changement-là est fondamental à tous les niveaux. Et je pense que nos autorités ont pris conscience de cela et vont faire le nécessaire pour y arriver. Un point qu'on n'a pas beaucoup abordé, et j'aimerais bien qu'on puisse passer un petit instant là-dessus, c'est l'entrepreneuriat. Cette jeunesse aujourd'hui, l'État, quoi qu'on dise, malgré la bonne volonté, l'État ne peut pas absorber toute cette employabilité en termes de jeunesse. Il va falloir créer des structures, il va falloir créer les conditions de l'entrepreneuriat. Tout à l'heure, j'ai écouté un bout de l'intervention de la coopération japonaise, la JICA, que ce soit pour la JICA, que ce soit pour l'ENABEL, la coopération belge. La GIZ, qui est très présente en Tunisie et dans plusieurs pays, dans les pays africains, donc pour la partie allemande, l'AFD ou encore l'ISD, sont en train de réfléchir à un nouveau New Deal à travers donc, cette crise, nous a appris cela. Donc, je pense que les autorités prendront conscience de ce nouveau deal qui va arriver prochainement. Et ce nouveau deal va être focalisé sur l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat féminin. On n'a pas beaucoup dit, et je pense que c'est très important. Et l'entrepreneuriat féminin, aujourd'hui, l'Afrique a le taux le plus élevé
de femmes entrepreneurs au monde, c'est 24% devant l'Asie et les autres pays, et l'Europe n'en est qu'à 9%. Donc si on a ces atouts-là en termes d'entrepreneuriat féminin, c'est quelque chose qu'on devrait vraiment valoriser davantage. Et ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que dire cet entrepreneuriat féminin contribue entre 7 et 11% du PIB du continent et contribue jusqu'à 200 milliards de dollars dans le PIB, mais ça reste encore marginal parce que c'est de l'entrepreneuriat très faible. Donc c'est un entrepreneuriat de survie pour la plupart. Et je pense que les autorités devraient prendre conscience de cela et apporter des réponses à cet entrepreneuriat féminin qui est quand même 50% de la population mondiale ou 51% de la population mondiale, qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir grâce au digital. Et donc, je pense que le maître mot est aujourd'hui, on va vers un nouveau deal, un new deal avec ces organisations de coopération, je les ai citées, que ce soit la JICA, la ZIZ, l'AFD, etc. C'est d'arriver maintenant à trouver des réponses adaptées, qui sont adaptées à nos besoins, nous, pour vouloir aller vers cet entrepreneuriat-là, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les femmes, pour aller de l'avant. Voilà le changement de paradigme auquel je voulais inviter les autorités africaines. Merci. Un appel que je lance également pour qu'on puisse avancer en mettant en avant les intérêts africains et notre propre spécificité pour aller dans ce nouveau deal que les autres partenaires viendront apporter à l'Afrique. Merci. Merci Mamadou Diallo, directeur général de CIO MAG. Moi, je retiens deux choses. D'abord, la confirmation qu'en Afrique, la tendance de considérer le numérique comme étant un élément de la souveraineté nationale est très important. Vous soulignez que certaines infrastructures numériques durent, notamment tout ce qui est connexion réseau, etc., les connexions satellites. On est encore dépendant de pays étrangers pour pouvoir tirer les câbles sous-marins pour pouvoir être connecté au monde à travers. Bien entendu, tout ça coûte cher et accroît, réduit la souveraineté nationale quelque part. Mais vous m'avez tendu une perche extraordinaire pour passer à Ouala sur deux sujets qui sont la jeunesse et l'entrepreneuriat. Donc ce que vous dites, c'est il y a une réalité démographique en Afrique. Des infrastructures physiques ne nous permettront pas de toutes les manières à répondre aux défis démographiques. Nous devons changer de paradigme et donc s'appuyer sur le numérique éventuellement pour élargir l'éducation, anticiper un certain nombre de phénomènes sociaux et démographiques et donc appuyer aussi sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat dans le numérique est peut-être l'avenir, un avenir prometteur pour l'Afrique et une promesse de montée en valeur ajoutée de l'ensemble des économies africaines. Voilà. Justement, en fait, l'entrepreneuriat numérique, et je rajouterai aussi l'entrepreneuriat social, parce que la moitié du globe qui est en haut, on crée des produits, on en fait des business. Je pense que l'autre moitié, elle est plus sociale, elle a plus, elle a d'autres, un autre paradigme ou bien une autre conception sociale et beaucoup de problèmes sociétaux et environnementaux. Et du coup, je pense que l'entrepreneuriat, un, c'est l'entrepreneuriat numérique et deux, c'est l'entrepreneuriat social qui vont être les leviers du continent. Il y a une phrase où on dit l'Amérique innove, l'Europe, les Chinois, la Chine copie et l'Europe réglemente. Et je pense que ce genre de rassemblement à différents niveaux et avec une diversité, il y a des gens qui appartiennent, qui sont des décideurs, il y a ceux qui appartiennent à l'administration, il y a ceux qui appartiennent à l'écosystème. Je pense qu'il y a moyen de créer, avec cette synergie, de créer une vision commune pour l'Afrique. L'Amérique innove, la Chine copie, l'Europe réglemente et l'Afrique, qu'est-ce qu'elle fait? Ça serait très important d'avoir toujours une vision macro sur le continent. C'est vrai que l'infrastructure ou bien les technologies à ce niveau ne sont pas forcément créées par cette partie du globe, mais il y a moyen, comme j'ai dit tout à l'heure, en investissant dans les jeunes, en investissant dans l'infrastructure, on pourrait faire de cette donnée démographique, surtout, une opportunité, parce que si on n'en fait pas une opportunité, ça va devenir une menace. En fait, surtout le continent, on voit des jeunes
a adopté la migration clandestine, a adopté plusieurs alternatives qui ne sont pas forcément des alternatives constructives. Mmh. Parfois, ils adoptent des alternatives qui sont violentes. Mmh. Et comme on dit, des mains qui ne font pas du bien, elles feront du mal. Mmh. Donc cette jeunesse qui pourrait être le levier ou bien la carte avec laquelle le continent va passer de l'autre côté du développement, elle ne doit pas devenir une menace. On doit investir dans nos jeunes. On doit aussi regarder cette jeunesse en tant que partenaire dans la construction du pays. Elle n'est pas juste une clientèle pour laquelle on crée des projets, mais c'est aussi des partenaires qui peuvent nous créer des solutions bottom-up. Et dans ces solutions, on pourra investir justement pour résoudre des problématiques d'ordre général. En fait, dans notre écosystème, on s'est positionné en tant qu'incubateur, venture builder, pour créer et accompagner des start-up qui œuvrent pour l'intérêt général. Dans notre écosystème, on a des start-up pour résoudre le chômage, on a des start-up pour la démocratie participative ou bien challenging representative democracy. On a des start-up qui luttent contre l'abattage des chiens en créant des solutions informatiques pour les municipalités. Ce qui était génial aussi après le premier retour de la pandémie, c'est qu'on a trouvé les décideurs déjà convaincus de l'importance du digital au service de l'intérêt général. Et du coup, on a pu mettre sur la même table, avoir plusieurs partenaires internationaux, publics nationaux, de la société civile. On a réussi à organiser des hackathons contre les violences faites aux femmes, des hackathons contre la rage, des hackathons qui s'intéressent à des problématiques d'ordre public. Et on a investi, on a identifié des jeunes du territoire, voilà, tunisien, de tout gouvernorat. On a fait des compétitions, on a we enabled their innovation et on les a accompagnés pour créer des MVP pour l'intérêt général. Donc on a créé des minimum valuable products notre venture builder qui est Ethiopia s'occupe maintenant à les accompagner et à créer un certain know-how pour accompagner ces jeunes qui créent des start-up qui peuvent être rentables et qui peuvent avoir un impact, ils peuvent présenter des alternatives systémiques et qui peuvent bénéficier l'État ou les décideurs de solutions qui sont efficaces et qui ne coûtent pas cher. Voilà. Donc une expérience réplicable dans d'autres pays africains et qui pourrait marcher et donner très très bonnes idées. Oui, par exemple, on a fait un hackathon avec le ministère de la femme, des affaires des femmes, l'ONU Femmes, l'UNFPA, l'Union Européenne et une autre organisation, FAS Tunisie, une organisation de la société civile. Et on a rassemblé 375 personnes pour à la fin choisir 50, pour à la fin choisir une quinzaine de personnes qui portent 3 projets. Mmh. Et on est en train de les développer maintenant pour justement appuyer les efforts de l'État dans son combat contre les violences faites aux femmes. Mais c'est des jeunes start-upers qui ont créé des initiatives. Et ce qui est bien, c'est que c'est aussi grâce à la pandémie, hein, malheureusement, c'est que ces décideurs à l'échelle nationale et internationale, c'est eux qui vont investir dans ces startups. Voilà, à travers des dons, à travers. Il y a une dernière chose, puisque là on parle en français, hein, donc on est francophone. Donc je pense qu'il y a deux mondes et plus. Mais essentiellement, il y a le monde anglo-saxon. C'est le monde de l'innovation, c'est le monde de la liberté économique, c'est un mindset. Et le monde francophone qui essaie de réglementer les choses avant de les laisser prospérer ou se développer. Par exemple, il y a eu une discussion les dernières semaines autour de la crypto-monnaie, le Bitcoin. Est-ce qu'on doit mettre en prison ceux qui font du mining ou ceux qui achètent de la monnaie numérique, ou bien on doit réglementer ça, on doit créer un cadre juridique? Je pense qu'on doit plutôt rien faire,
on crée un cadre juridique quand ces pratiques deviennent démocratiques, quand 10% de la population utilise la monnaie numérique, on crée un cadre juridique pour organiser les choses. Mmh. Mais s'il y a une dizaine de personnes qui utilisent ça, il n'y a pas moyen ou il n'y a pas de raison pour que les autorités se mobilisent pour en faire une histoire. Je pense que dans le monde, parce que nous, on est francophones, là, parfois, on ne doit pas créer des règlements, parfois, on ne doit pas dépenser notre argent, l'argent public, et dépenser notre temps à créer des cadres juridiques. Parfois, il faut juste rien faire et laisser la liberté qui est la base, laisser les gens être libres, voilà. Merci, Olay. Donc, moi, j'ai retenu deux idées supplémentaires. D'abord, le rôle de la fracture numérique, du numérique à réduire la fracture sociale et à réduire surtout l'isolement de certaines catégories aux minorités, notamment le numérique au service des femmes, au service de leur cause. Je pense que le numérique a apporté beaucoup de choses positives là-dessus. Sur la question des bitcoins, des crypto-monnaies, je pense que le sujet n'est pas encore stable d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue littérature économique. C'est pour ça que les décideurs au niveau des diverses banques centrales et des différents ministères des Finances ne sont pas encore préparés à l'idée de sauter le pas. Les réglementations sont là pour assurer l'équité en fait de traitement et préserver l'intérêt des acteurs économiques. Le problème, c'est que la définition de l'équité dans le monde francophone et du monde anglo-saxon sont très différentes. Dans le monde francophone, on réglemente pour s'assurer que le traitement a été juste entre tous les acteurs, et dans le monde anglo-saxon, on dit les acteurs doivent quelque part s'autoréguler et on va laisser faire. Merci beaucoup, en tout cas, voilà. Simon Stva, pour le mot de la fin, avant de passer peut-être un mot de clôture à Sirsan. D'accord. Non, pardon. Rapidement, si vous voulez, sur le volet crypto-monnaie, mais je sais que ce n'est pas le thème du jour. En réalité, les crypto-monnaies sont concurrentes aux banques centrales. Pourquoi voulez-vous que les banques centrales les acceptent? À moins que ce ne soit une monnaie, une crypto-monnaie de banque centrale. Mais quand on va prendre ceux qui posent problème actuellement sont en réalité concurrents directs de la banque centrale, puisqu'ils ne reposent sur aucune économie et uniquement sur la règle de l'offre et de la demande. Je ferme ma parenthèse. Pour revenir à la jeunesse africaine aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de pays n'ont pas compris qu'il y avait une concurrence entre pays au niveau de la jeunesse. Ils ont vu la concurrence sur l'attrait des investissements directs étrangers, mais ils ne voient pas, malheureusement, la concurrence qui existe sur l'attrait des jeunes. Et que, pour rejoindre ça avec Covid, c'est un effet de mondialisation, j'y reviendrai. Et qu'aujourd'hui, dans le cadre de la mondialisation, les jeunes savent ce qui se passe un peu partout et sont en contact et au courant de ce qui se passe un peu partout. Et donc, c'est tout à fait normal que quand on va choisir le pays dans lequel il va investir, le jeune aura tendance à choisir le pays dans lequel il va investir sa vie, dans lequel il va investir son futur. Donc, si le pays aujourd'hui ne le fait pas rêver, ou si le pays ne lui offre pas la qualité de vie qu'il cherche, inéluctablement, il aura tendance à aller chercher un meilleur endroit pour vivre. Et on a parlé des jeunes, qui prennent les bateaux de la mort pour partir, mais pour moi, je ne vous cache pas que aussi bien... pour moi, c'est exactement la même chose. Les jeunes qui prennent les bateaux de la mort, ou bien ceux qui ont la chance d'avoir un contrat et un visa pour partir à l'étranger, les deux partent pour les mêmes raisons. Et il est très important de faire les liens entre ces deux points-là. Et il ne faut pas les considérer comme étant des raisons différentes entre les uns et les autres. Les uns ont la chance, entre guillemets, d'avoir un diplôme, un contrat, etc., pour pouvoir partir en avion convenablement, être bien accueilli. D'autres n'ont pas cette chance-là et vont choisir un autre chemin. Pour revenir
à... je ne reviendrai pas à la souveraineté numérique, c'est un très grand sujet, c'est un très grand débat duquel je suis passionné, mais qui demanderait des heures de discussion. Mais pour revenir à Covid et revenir à, je dirais, à ce qu'on devrait faire ou ce qu'il serait préférable de faire. Comme je le disais tout à l'heure, Covid est un phénomène de mondialisation et donc Covid, cette crise n'est pas la seule crise sanitaire qu'on va rencontrer et n'est pas la seule crise non plus qu'on va rencontrer. Il y en a beaucoup d'autres qui vont venir et il ne faut pas se leurrer. On ne peut pas fuir à la mondialisation. À ma connaissance, il y a un seul pays au monde qui a fui à la mondialisation et qui a réussi de ne pas faire partie de la mondialisation, c'est la Corée du Nord. Je n'en connais pas d'autres. Et donc, même si on veut fuir cette mondialisation-là, ça prendra encore beaucoup de décennies pour pouvoir y réussir et pouvoir mettre en place une économie, je dirais, qui n'est pas rattachée à l'économie mondiale. Et donc, il est important aujourd'hui de pouvoir tirer les conclusions de la crise Covid qu'on a eue, même si nous ne parlons que d'une année et demie de crise. Mais il est important de tirer les conclusions nécessaires de la situation, de tirer les leçons qu'il faut tirer, de tirer les bonnes conclusions pour voir quel est le changement dans un premier temps, puis la transformation dans un deuxième temps, qu'il faudrait mettre en œuvre. Et le changement n'est pas la transformation. La numérisation n'est pas la transformation numérique. Ce sont deux choses totalement différentes. Et il y a un gros fossé entre les deux. Mais pour pouvoir faire ça, pour pouvoir tirer ces conclusions, voir ce qu'il faut mettre en place et le mettre en œuvre, il faut commencer par y croire. Et malheureusement, je dirais, beaucoup de gouvernants parle de numérique, mais ne croit pas en le numérique. Et ils doivent y croire, et ils doivent être convaincus de l'intérêt de ce qui doit être fait et comment ça doit être fait, parce que s'ils n'en sont pas convaincus, ils n'auront pas le leadership nécessaire pour pouvoir convaincre ceux qui doivent mettre en œuvre ça. Et s'ils n'ont pas, je dirais, la conviction nécessaire, s'ils ne sont pas bien, s'ils ne sont pas bien imbus de ce qui doit être mis en œuvre, ils ne pourront pas convaincre, ils ne pourront pas transmettre l'enthousiasme qu'il faut pour pouvoir y aller. Pour terminer, je reviendrai à la réflexion de Si Hassan concernant la réglementation des années 70. Le problème de la crypto-monnaie, c'est qu'on a encore des gens qui réfléchissent dans les années 70 ou comme dans les années 70. Et je dirais, la réglementation qui a été mise en place dans les années 70, c'était une réglementation innovante. Parce que ceux qui l'ont mise en œuvre étaient innovants. Malheureusement, aujourd'hui, même s'il y a des législations qui ont évolué, comme tu l'as si bien dit, Ashraf, même s'il y a des législations qui ont évolué, on a malheureusement encore des gens qui essayent d'appliquer ces législations-là avec la mentalité des années 70. Et c'est ça, je dirais, le plus grand problème qu'on est en train de rencontrer et le risque qu'on a face à cette aversité à l'innovation. Pour terminer, on parle de numérique. Le numérique présente beaucoup de menaces, il présente beaucoup de risques, mais il présente aussi énormément d'opportunités et d'avantages. Et il est très important de voir que les pays, les entreprises, les individus qui ne sauront pas comment profiter de ces opportunités-là ne récolteront que les menaces et les risques. Et ça, c'est très important à voir. Si on ne profite pas des opportunités du numérique, on récoltera les menaces et les risques du numérique. Merci beaucoup, Simon Zali. Et un dernier mot à Sirsan, vous m'avez promis 30 secondes. En fait, je voulais juste rebondir sur pas mal de choses qui ont été faites et prendre un peu plus de recul sur... En fait, demain, c'est digital. Si on ne l'a pas compris, c'est qu'il y a un problème. C'est sûr. Donc, dans 5 ans, 25% du PIB, c'est dans le digital. Donc, ça, on va arrêter d'en parler maintenant, agissons. Je veux rebondir sur l'Afrique.
L'Afrique, c'est le moteur de croissance européen, américain, chinois, etc. C'est que l'Afrique, aujourd'hui, on est tous africains. Il y a une union, en fait, qui nous lie entre nous. On a une histoire commune, une histoire similaire. Et je suis content quand je vois mon ami du Sénégal, quand il parle également des expériences similaires. C'est-à-dire, on a des choses en commun sur l'existence, sur le constat et sur ce qui a été fait. Il est important de dire que Wallet, elle a posé la question, c'est quoi demain? Il y a l'Europe, il y a l'US, il y a la Chine. Où est la position de l'Afrique? Et je pense que pour construire la position, il faut qu'on la construise ensemble. Il faut qu'on arrive à travailler le plus rapidement possible ensemble sur pas mal de sujets. On a parlé de cloud, on a parlé d'infrastructure, on a parlé de souveraineté, on parle de data, on parle de loi autour du numérique. Il est important que tous les pays africains se mettent autour d'une table et qu'ils se disent « Ok, on a un potentiel, nous sommes un potentiel, on a tous des atouts à chacun à son niveau, des ressources, d'innovation, des réglementations, etc. Travaillons ensemble. Moi, je crois dans l'intelligence collective pour surmonter les difficultés, pour construire un demain meilleur pour chacun de nos populations. Donc, il est important que demain, qu'on travaille autour de ce sujet ensemble, qu'on ait un cloud souverain africain, qu'on ait un start-up act africain, qu'on travaille sur la RGPD africaine aujourd'hui, je pense, qu'on travaille sur la connectivité africaine, qu'on se connecte mieux entre nous et qu'on ne soit pas obligé de passer par un câble qui fait tout le tour de l'Afrique pour pouvoir se connecter à Marseille et redescendre à Tunis. Donc, il est temps aujourd'hui d'adresser ce sujet et qu'ensemble, je pense, on pourra se positionner et trouver notre modèle. Peut-être c'est pas l'US qui innove ou l'Europe qui réglemente. Peut-être c'est l'Afrique forte, l'Afrique qui est le leader du digital dans le monde. On en est capable. Il y a le Rwanda, il y a pas mal de pays qui montrent la voie et qui sont en train de le faire. Donc faisons-le. Merci beaucoup, Sersan. Je pense que votre appel a été entendu. Oui, oui, il faut l'applaudir. Je pense que l'appel de Sersan est vraiment très, très important. Je remercie donc Zohra Dorri, qui est la rapporteuse de cette session. J'espère qu'elle rapportera également votre appel. Encore une fois, merci beaucoup pour votre présence, pour vos interventions. Je voudrais remercier Sersan Harabi, conseiller auprès du ministre des Technologies de l'Information et de la Communication en charge de la stratégie, monsieur Cheikh Bahroum, directeur général de l'Agence de l'informatique de l'État du Sénégal. Remercier également Mohamedou Diallo, qui était avec nous à distance, directeur général de CIO MAG. Wala Guesni, qui est CIO de Tissopia et de WeCode for Good. Pardon. Et Simon Stamosrani, CEO de DCW. Je voudrais vous remercier pour votre présence. Je voudrais remercier très particulièrement TABC pour l'occasion qui m'est donnée de modérer encore une fois, 2 ans après, une conférence, un débat, un panel sur le digital. Je voudrais remercier de manière très personnelle, très fraternelle, mon ami, mon très cher ami Anis Jaziri, pour tous les efforts qu'il est en train de faire. Il porte sur ses épaules énormément de travail qui a été fait, énormément de travail qui reste à faire. Je voudrais le remercier, lui faire part publiquement de mon estime et de ma sincère admiration. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite bon appétit. Merci beaucoup. Vous désirez vous implanter en Afrique en toute sécurité? Exporter, créer une filiale ou réaliser des opportunités d'affaires? Nous mobilisons pour vous nos meilleurs experts à travers nos 15 cabinets en Afrique, en France par Exco et dans le monde à travers Creston International, pour vous accompagner depuis l'élaboration de vos études de marché jusqu'à l'implantation. Bénéficiez de l'expérience et des services d'un réseau international. Répondons aux normes de qualité suivant les spécificités locales. Business plan, études juridiques fiscales et douanières, constitution de la société ou filiale, tenue des comptes, déclaration fiscale et plus encore. Nous vous apportons notre savoir-faire et notre connaissance du tissu industriel et commercial local à travers des partenariats et à la recherche du local adéquat à votre activité. Avec Exco Afrique, gagnez du temps et de l'argent. Notre équipe vous accompagne dans la réussite de votre développement dans une Afrique en pleine émergence.
Africa, continent of dreams, limitless possibility, a wealth of opportunity, and a population full of potential. But how do we turn dreams into reality, possibility into impact, and potential into access to work and economic prosperity? Africa has a significant infrastructure investment gap of $170 billion a year. The convergence of energy, transportation, and digital economies demand a new approach to infrastructure development globally. As urban growth accelerates across Africa, we believe that power, transport and logistics, natural resources, telecommunications, and heavy industries are the enablers that will deliver access to markets, job creation, and accelerated economic growth. So we pioneer solutions that help build bridges and roads and connectivity. We help develop natural resources in sustainable ways that create prosperity for more. But our roads and bridges connect more than just places, and our financing powers more than cities and grids. It connects people to opportunities, producers to markets, and local communities to the skills they need to grow. This foundation shapes our present so we can build our new tomorrow. But what does the future hold? Africa's mandate is urgent, and the narrative has to change. So we're rewriting the script. Imagine an Africa where the world's youngest population turns into the future of the workforce. Where the knowledge-based economies in Africa that power the world give birth to the fifth industrial revolution, connecting innovation to purpose and inclusivity. That's the Africa we're building. We can't do it alone, but together, perhaps we can. Our vision is to become Africa's leading infrastructure solutions provider, Africa Finance Corporation, driving social, economic, sustainable change across Africa. Vous désirez vous implanter en Afrique en toute sécurité? Exporter, créer une filiale ou réaliser des opportunités d'affaires? Nous mobilisons pour vous nos meilleurs experts à travers nos 15 cabinets en Afrique, en France par Exco et dans le monde à travers Creston International, pour vous accompagner depuis l'élaboration de vos études de marché jusqu'à l'implantation. B
bénéficier de l'expérience et des services d'un réseau international, répondons aux normes de qualité suivant les spécificités locales. Business plan, études juridiques fiscales et douanières, constitution de la société ou filiale, tenue des comptes, déclaration fiscale et plus encore. Nous vous apportons notre savoir-faire et notre connaissance du tissu industriel et commercial local à travers des partenariats et à la recherche du local adéquat à votre activité. Avec Exco Afrique, gagnez du temps et de l'argent. Notre équipe vous accompagne dans la réussite de votre développement dans une Afrique en pleine émergence. Africa, continent of dreams, limitless possibility, a wealth of opportunity, and a population full of potential. But how do we turn dreams into reality, possibility into impact, and potential into access to work and economic prosperity? Africa has a significant infrastructure investment gap of $170 billion a year. The convergence of energy, transportation, and digital economies demand a new approach to infrastructure development globally. As urban growth accelerates across Africa, we believe that power, transport and logistics, natural resources, telecommunications, and heavy industries are the enablers that will deliver access to markets, job creation, and accelerated economic growth. So we pioneer solutions that help build bridges and roads and connectivity. We help develop natural resources in sustainable ways that create prosperity for more. But our roads and bridges connect more than just places, and our financing powers more than cities and grids. It connects people to opportunities, producers to markets, and local communities to the skills they need to grow. This foundation shapes our present so we can build our new tomorrow. And what does the future hold? Africa's mandate is urgent, and the narrative has to change. So we're rewriting the script. Imagine an Africa where the world's youngest population turns into the future of the workforce, where the knowledge-based economies in Africa that power the world give birth to the fifth industrial revolution, connecting innovation to purpose and inclusivity. That's the Africa we're building. We can't do it alone, but together, perhaps we can.
Our vision is to become Africa's leading infrastructure solutions provider. Africa Finance Corporation, driving social, economic, sustainable change across Africa.